dans la venue de Christ. Quand tu es venu à l'église, dans ta voiture, il n'y a qu'une seule personne. Cherche à voir qui est-ce que tu peux dépanner. Tu vas les dépanner. Mais si dans la voiture, cette dernière voudrait causer, dites-leur que dans ce véhicule, on ne fait pas ce genre de causerie. Nous sommes ensemble, mais nous réfléchissons. Nous sommes ensemble, mais nous sommes intelligents. C'est ça. Car des fois, tu vois la personne comme elle est à l'église, mais cette personne est un peu égarée. Ne permets pas que tu sois contaminé. Montre Jésus aux gens. Amen. Si tu l'écoutes, dis-moi. Church. L'église. Church. C'est un lieu de church. L'église. Amen. C'est un lieu de church. L'église. Si le gouvernement cherche des gens intègres, church. On le trouve dans l'église. Et pourquoi je vous interpelle? Aimons-nous, monsieur. L'acte que l'église fait sur les nations. L'action de l'église. Avant la fin de cette étude, je disais que l'église. Alléluia. Il doit avoir de l'ordre. Responsable dans la church. Nous avons des responsables. Mais on parle de prière, vous êtes présents. C'est l'argent qui bâtit l'église. À la fin du culte, les dépenses dépassent 200 000. Voudriez-vous qu'un mondain donne de l'argent pour bâtir l'église? On vend alors l'église. Car il faut que nous qui sommes adorateurs, Dieu puisse nous bénir. Que nous mettons nos vies dans le culte. Et le bâtir. Si tu l'écoutes, dis-moi. Il n'y a pas une personne étrangère. Moi, il n'y a pas de bailleur quelque part. C'est nous. Et ce que Dieu a touché, ça veut dire que l'église est au cœur. À la fin de cette église, je bénis pour Dieu. Que la bonne volonté de donation, afin qu'on puisse bâtir l'église, soit votre partage. Ça ne vous tente pas de venir rester ici pour toi. Si cela ne te tente pas, tu n'as pas. Quand tu dois des fois et chercher la face de Dieu, je voudrais rester sur le banquier. Nous devons bâtir, construire un hôtel. Si la personne est dans l'église, il paiera 5 000. Mais hors d'église, c'est 10 000. Et tu viens là. Où est-ce qu'on va le faire? L'évangélisation. Va à l'évangélisation, c'est 1 920 000. Où est-ce qu'on trouve ça? C'est l'église. C'est pourquoi ce matin, Jésus voudrait bâtir son église. Il va nous utiliser pour le bâtir. Corinthiens 16, verset 1. Tandis qu'on va trouver une mission maintenant, bientôt, il y a un va. Lorsqu'on vous demande de l'argent, vous savez ce qu'on va faire avec. Et tu aurais quand même un budget provisoire aujourd'hui. 9 millions de nous. 9 millions 44 000. Voici le camp. Abandon Yoachu. Ce qu'on va faire, la bataille. L'électricité, l'électricité, c'est ça. L'eau, 600 000. Le temple, les bâches, mon enfant, donne ta part.
Tu dis, lorsque j'ai parlé, mon enfant n'adore pas ici. On attend ta part afin de bâtir l'église. Mais tu peux, vous devez comprendre. Je cherche la finance. Abale panto, kaudi akte pupiba. Un problème. Que le mtojona amekoko mti, alesi mbena kaleti ya hamia wola. Menema ke miawo ha miawo. Abe yendo le na Galat ya bahame. Je l'avais ordonné au sein de Galat. Aye magendo le na kwa to bahame. Et je l'ai ordonné aussi. Ye magendo le na bisha bahame. Et je l'ordonne aussi à Elisha. Afin que vous puissiez donner, contribuer et bâtir le temple de Dieu. Si tu m'écoutes, dis-moi amen. Dis à ton frère ta participation dans l'église, c'est Dieu qui le désire. 2 Corinthiens 8, versets 7 à 9. Quand tu tombes à Valia, et à Ni, tu peux entrer dans la masse de terre. Que allez-y, il n'y a pas de bol. Nous si à nous la force plaît, de Dieu, kata plaît, l'on. Si, n'y est pas l'on, mila, mais n'a pas n'y a pas volé. Amen, vous êtes si amen. Amen. De la même manière, vous excellez dans la foi. Vous devez exceller dans les œuvres. Excellez dans les œuvres. Ne dis pas que le pasteur vient chez toi d'abord. Appelle l'homme de Dieu. Il me tente de te donner 1 million. Afin de bâtir le temple. C'est ça, exceller dans les œuvres bienveillantes. On dit de donner. Toi, qu'on. Je ne sais pas si tu as 5 000. Alléluia. Dis à ton frère. Excelle en toutes choses. Dans les œuvres bien faites. L'église. Oui. Ta matin. Occupé matin. 2 Corinthiens 9, verset 6. Quand tu tombes à ton évelia, caché que tu te mates. Un problème. Le mot de toi nous revient. Le mot de toi. Bien au vieux, c'est le Seigneur de Gomer. Est-ce que tu écoutes et tu comprends? C'est pourquoi tu dois déclarer à Dieu, donne-moi de l'argent. N'est-ce pas toi? Les gens ne viennent pas chaque temps. Est-ce qu'ils ont déjà fait ça? N'est-ce pas que Dieu utilise une personne égoïste. Je ne l'ai jamais vu. Et il interpelle à ce que bâtisse la nation. Et cette dernière personne donne de l'argent. N'est-ce pas vous? Si c'est une personne avare, il ne va pas aimer. Il va dire, les temps sont durs. Seigneur, envoie-moi aussi. Amen. 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 Yes, Amen. Qui peut entrer dans cette assiette? Qui peut y aller? Éclaté. Y a pas les éclats avec cette tête énorme. Que bon, mais toi, à me beaucoup près, mais vite tout, tout n'y a pas longtemps. Hein, ouais. Papa n'y est pas. Qui peut y acheter là? Elle a bena, n'y est bena. Après toi, Jésus Christ, au père, amen, bena, bena. Que sinon toi, on y est happy. Que n'y a mti au bas, que ahedo. Bena n'y a ola. Y a toi y a père aheda dame. Amen.